On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Nous sommes dimanche 16 octobre, si je ne dis pas de bêtises. Et normalement, le dimanche, nous ne faisons rien de spécial d'habitude. Mais aujourd'hui, nous avons une super animation dans ma ville. Donc du coup, on va sortir et puis de toute façon, ça fait 3 jours que Lola n'est pas sortie avec le mauvais temps qu'il y a eu. Donc on va sortir pour qu'elle se défoule aussi un peu. Mais elle m'a l'air bien sous la couette là. T'es bien là sous la couette? On va aller voir les chevaux et tout? On va s'habiller pour aller voir les chevaux? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien papa. Bien madame. On va aller voir les chevaux? Ouais, on va aller s'habiller. Bon, on va aller se préparer et on va partir dans la ville, un peu partout dans le centre-ville, tout simplement pour aller découvrir plein d'animations médiévales. Donc ça va être la première fois que Lola va avoir ce genre d'animation-là. Donc du coup, j'ai hâte de voir ses réactions autour des petites animations. On vous dit à tout à l'heure. Hey. Il est 1h30. C'est ça, et là on s'apprête donc à partir, on y va, on va aller voir un peu tout ce qu'il y a. T'es prête mon amour? C'est dit? Allez go, on y go.
vient d'aller voir une petite démonstration de joute à cheval. Malheureusement, on ne va pas rester la demi-heure ou l'heure, je ne sais plus. Ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a un spectacle après avec des chevaux. Et malheureusement, on est arrivé quand c'était la fin du premier spectacle. Et je pense que le deuxième, on ne le verra pas parce que il n'y a aucune place près des gradins ou autres pour que je puisse m'asseoir avec Lola, et j'ai pas pris la poussette. Et même si j'avais pris la poussette, honnêtement, elle aurait rien vu. À part dans mes bras, elle pouvait rien voir. On a essayé de se placer de manière à qu'elle puisse au moins voir un peu. Mais les gens sont tous afflués au même endroit, du coup, ben, on n'avait pas une seule place. Donc concrètement, il doit être 15h, il est 15h12. Donc là, on va aller faire un autre petit tour et on va voir s'il y a d'autres choses, sinon on va rentrer à la maison. Voilà, tu vas voir. Il est où? Attends, il est où? Il arrive. Et donc là, vous arrivez en galopant pour nous dire qu'il arrive, c'est ça? Donc, vous venez arriver quand il est prêt. Pour bon, Ernest, en effet, ce messire l'a souligné, on a un souci avec la tenue. Vous voudrez quelque chose de... Non. Monsieur Dimitri, Ernest, malheureusement. Non. Elle t'a pas... Attendez, il y a le moteur qui s'agace, c'est pour vous donner. Mais qu'est-ce que vous faites? Il nous manque quelqu'un. Et recoucou, il est 4h30, on vient de rentrer. Je viens de changer Lola parce que franchement il fait méga chaud. On est parti avec des pulls et des gilets, il faisait hyper chaud.
Du coup, je l'ai changée là en rentrant pour qu'elle soit à l'aise et qu'elle ait quand même moins chaud. Moi, pareil, je me suis remis en pyjama parce que, voilà, on est dimanche et franchement, j'avais pas envie de rester habillée comme j'étais. On n'a pas l'intention de ressortir, là, on va rester à la maison de toute manière. Donc elle aussi, je l'ai laissée en body parce que il fait chaud et puis c'est mieux, puis voilà. Ça s'est quand même bien passé l'après-midi, je suis quand même assez contente, on a vu des choses pas mal, il y avait plein de jeux en bois, elle a pu tester pas mal de jeux en bois assez originaux, enfin du temps des médiévales, c'était super sympa et il y avait pas mal d'animations aussi qui étaient intéressantes et qui avaient l'air intéressantes. Sur le planning que j'avais récupéré, il y avait des heures et à chaque lieu, à telle heure, il y avait une animation, un spectacle, des choses comme ça. Et le souci qu'il y a, c'est qu'on n'a pas pu voir un spectacle. Donc j'avais regardé les heures, on était parti exprès à 1h30 pour qu'elle ait le temps d'aller faire des jeux de bois, tout ça, avant d'aller aux animations. Et du coup en fait donc on était parti dans un lieu où ça faisait comme un village médiéval. C'était assez sympa. À partir de là, on a réussi à voir les animations qu'on voulait. Et quand on est parti dans un autre lieu pour voir les animations spectacles avec les chevaux, ben malheureusement on a pu pratiquement rien voir. J'étais déçue. Vraiment parce que déjà de une, j'avais pas pris la poussette parce que tous les lieux étaient à côté de chez moi, donc Lola pouvait forcément marcher et ça n'était pas extrêmement dur de la porter, voilà. Mais le souci qu'il y a, c'est quand on est arrivé au lieu, donc pour voir l'animation des chevaux, il y avait un monde fou, tout le monde était déjà assis, il n'y avait plus du tout de place. J'ai galéré à m'approcher des barrières pour qu'elle puisse voir au moins un bout du spectacle avec des chevaux, mais il était censé avoir un deuxième spectacle qui m'intéressait plus que le premier qu'on a vu avec la danse des chevaux, tout ça, vraiment qui avait l'air sympa, mais j'ai pas attendu parce que déjà il fallait attendre 1 heure sur place, elle en pouvait plus, elle pétait un plomb d'attendre 1 heure, elle voulait aller voir les chevaux, enfin voilà, un enfant ça bouge. Donc du coup, on est parti et on est retourné sur un autre lieu où il devait avoir une petite scène théâtrale, en fait, un petit théâtre, une petite comédie théâtrale. Et du coup, en fait, ça a duré 1 heure, sauf que Lola, elle a commencé à fatiguer vu qu'elle n'a pas fait de sieste. Donc on est resté une bonne demi-heure, elle a vu une bonne demi-heure de spectacle et après on est rentré. De toute façon, ça l'intéressait sans l'intéresser. Voilà, elle est quand même petite, hein, elle va avoir que 21 mois. C'est déjà pas mal tout ce qu'elle a fait. Hein. Vraiment, c'est déjà pas mal. Mais voilà, concrètement, à part le fait qu'on n'ait pas pu voir le deuxième spectacle de chevaux qui aurait nettement plus intéressé Lola parce qu'elle adore les animaux et qu'elle était très contente d'en voir de près, le reste était bien, mais un peu déçue de ne pas avoir pu le voir en fait. Il aurait fallu arriver très tôt, soit dans l'après-midi, soit dans la journée, et s'asseoir dans les gradins et patienter, mais c'est juste impossible avec un enfant de 20 mois de patienter longtemps. Donc du coup, voilà. Je vais clôturer ce vlog maintenant parce que je suis fatiguée, j'ai dormi 2 heures et là Lola elle est partie pour faire une sieste. Il est 4h30 et elle vient de s'endormir sur le canapé, donc elle va faire une sieste. Je vais la laisser faire une sieste au moins d'une heure, pas plus, sinon ce soir je vais galérer à la mettre au lit. Sinon tant pis, mais moi je ne tiendrai pas, sinon j'ai dormi 2 heures. Donc je clôture le vlog, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. En attendant, on vous embrasse et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.